Et c'est Psemi, on se repasse sur l'aventure de The Elder Scrolls Online Elsewhere. Dans le précédent épisode, nous avons fini les deux quêtes de suture que nous avons ici, un serviteur de Rajin ainsi que la nouvelle dirigeante de suture, Tasnasi. Et maintenant, nous repartons donc sur les routes en direction de là. Donc Orcrete, ça il me semble que c'est le second, je crois que Orcrete est le... Et l'autre, comment on appelle ça? L'autre de donjon... Merde, l'autre entre, voilà, la deuxième entre du jeu là. C'est marqué où c'est là, voilà. Orcrete, voilà, il y est. Donc oui, un donjon public, quoi. Nous verrons ça plus tard. On le fera pas dans cet épisode, on le fera sans doute au prochain, parce que là on passe à côté. Ah, on a un donjon. Eh ben on va aller faire le donjon. Allons faire le donjon. J'ai oublié, on change de famille et de monture, voyons Maxinas. Pourquoi j'oublie à chaque fois comme ça, c'est dingue. Alors, au revoir à notre petit Danois, le pisteur de loup-garou danoyen, et bonjour au poney fantôme d'ombre, qui disponible uniquement pendant les fêtes d'Halloween. Au revoir à notre ours squelette, bonjour au palefois pommelé gris, et je crois que c'est un des chevaux classiques du jeu. Voilà, le poney. Moi, je veux un poney, mais on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie, et ben au moins je les ai sur tes os. Voilà, j'ai mes poneys. Et le cheval pommelé gris. Voilà. Un fier destrier. C'est parti. Alors, la caverne des vents du désert. Oh putain, dites-moi que c'est un autre écran de chargement que toutes les putains de cavernes du jeu, s'il vous plaît. Franchement, sincèrement. Ok, ça va, c'est déjà ça. Alors, ces vastes salles souterraines remontent à l'époque de Darlok Brahe dans la première ère, la bête d'or qui conquit tout Anekina. La tradition Khajiit affirme que cet endroit fut construit comme refuge pour ceux que j'ai pas eu le temps de lire. Très bien. Désolé pour celles et ceux qui vous... Putain, c'est toujours aussi grand leur truc. Ça par contre, je peux pas leur tirer. Les autres sont très... Ah bah au moins... Bah voilà, d'accord. Ça fait ça en moins à chercher. Donc attends. Et ils sortent d'où là? Attends. J'aimerais juste comprendre. Attends, ils viennent d'où? Ah, ils viennent de là, d'accord. Donc ça sera pour le retour. Ce sera pour le retour, très bien. Donc bah voilà, vous savez où est la Sky Shard du donjon. Très bien. Donc ça sera quand on aura fait le boss. J'imagine que c'est un accès rapide pour ressortir. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça? Des Oraxiens. Il n'y avait pas de quête à l'entrée, il n'y a pas de quête à l'intérieur. Peut-être en s'avançant dans le donjon, on va bien voir. Non, on m'avait pas vu. J'ai dit vous m'avez pas vu. Vous ne me voyez pas, je n'existe pas. Mais non, n'enflammez rien, je ne suis pas là. Est-ce que au niveau de adhérent, invocation d'âme... Ouais, voilà, non, je ne l'ai pas. Donc il me faut un parchemin d'expérience. Voilà. Alors ça m'étonnerait que le boss soit ici. Ça c'est quoi ça? C'est un accès au truc? Je crois que le boss sera plus haut. Il semblerait logique que le boss ne soit pas ici. A mon avis il sera là. Il doit être là-dedans. Non, ça n'a pas l'air d'être ici non plus. La fuite j'ai dit. Brûlez ça! Ne brûlez rien, foutez-moi la paix. Alors, hop là, est-ce qu'il serait ici, notre cher boss? C'est quoi ça? Alchimiste Oraxien? Non, ça a pas l'air d'être ça. On est dans une sorte de temple, je crois, et les mecs d'Oraxia ont tout cassé. Visiblement, je crois. Peut-être. Bon, par contre, les flèches à travers les murs, ça commence à m'en gonfler. Ah, merci. Alors adepte viande du... Bah à mon avis il doit y avoir une quête mais je sais pas où on la chope. On va se contenter pour le moment de faire le donjon. Est-ce que le boss ne serait pas ici? Des fois. A mon avis c'est peut-être lié à la quête principale, tiens. C'est vrai, on sait jamais. Alors, oh putain, on a des fantômes. Ok. Remarquez, le seul lieu qu'on n'a pas visité c'est celui-là. Mais si. Si, on a fait toutes les salles, là. Du coup, j'espère que... J'espère que le boss est ici, parce que sinon... Voilà, merci. Angurius le fou. Mais j'ose si j'ai envie. Si t'es pas d'accord, ben je te flûte. Il est où? Il est pas où? Là? Non, il est où? Ah, il est là. Non, mais vous, barrez-vous. Barrez-vous, tous les deux. Voilà. Thank you.
Il est où? Il est où? Là. Là. Oh purée. Ah merde, non. Je vais pas te tuer, t'es trop mignon. J'aime les scènes Sherat. Depuis le temps qu'on voulait vous voir en plus. C'était déjà inespéré dans le jeu. Voilà, on a accompli ce bazar, très bien. Allez, sans douter. Alors. Là. Et vends-moi ce truc, merci. Je sais plus ce que je voulais faire. Oui, ça. Est-ce que j'aurais pas justement quelques trucs? Ouais, voilà. Ouais, putain, même les crochets, tiens, voilà, comme ça, ça fait de la place. Est-ce que j'ai pas des recettes et des trucs? Il me semble que j'en ai quelques-uns. Il y a des gens qui sont sortis de nulle part, j'ai pas compris. Donc bah du coup voilà. C'est fait. Et du coup il y a quelqu'un qui aggro tout ce beau monde, c'est très bien. Moi je peux sortir par la grande porte. En n'oubliant pas notre petit Sky Shard au passage. Bien évidemment. Ouais, rien de bien compliqué hein. À mon avis il doit y avoir. En fait la zone est trop grande et il y a trop de trucs particuliers pour que ce soit. À mon avis la quête. S'il y a une quête par rapport à ce lieu, elle doit être liée à la quête principale à mon avis. Ou alors il y a une quête qu'il faut choper plus haut, j'en sais rien, mais c'est clair et net qu'il y a quelque chose à faire, ça c'est sûr et certain. Là on pouvait pas accéder à la salle qui est ici, il y a forcément quelque chose. Évidemment, le mec vous avez foutu ici là. Faut juste que je fasse gaffe. Voilà. Tac. Et voilà. Ça, c'est fait. Mon sac est fait. Hop là. J'adore ces arbres. Bon. On peut donc ressortir. On a mis 10 minutes quand même. Hein. 10 minutes de balade. Hein. 9, allez, voilà, 9 minutes. 9 minutes de balade pour savoir ce qu'on fout là-dedans. Aïe aïe aïe, bon enfin. J'ai vu qu'il y avait deux routes, à mon avis, je rejoindrai quand on sera plus au nord, et je referai tout le chemin inverse comme ça là, en fait. Enfin, il faudrait que j'ai le plan pour bien vous expliquer ce que j'ai en tête, parce que là, c'est vrai que c'est pas très très clair, ce que je dis. Ah, oui, dans des moments comme ça, je profite de regarder mon téléphone. On vit dans un monde de téléphone. Faut vraiment que j'arrête moi. Alors, tac. Voilà, ce que je voulais dire, voilà, c'était que là, voilà, il y avait une autre route. La mesa de la prédateur. Alors ce que je vais faire, c'est que là on va aller par là. On va voir par ici, là, si on loupe rien. Ensuite, tac, on va remonter par ici. Tac, comme ça. Je vais remonter jusqu'ici pour aller voir ça. Ensuite, tac, on va aller voir ça comme ça. Et dès qu'on a fini ça ici, on remonte ici, on fait tout ce qu'il y a là jusqu'au nord ici. Et ensuite, paf, on continue, on va faire toutes les quêtes secondaires avant de faire la quête principale, justement. Voilà. Il y a un dragon. Un dragon. Voilà. Dragon. Où il va? Il revient ici. Reviens, mon ami. Putain, il va. Et comme par hasard, il va à l'autre bout. Hein. Foiré. Je suis sûr qu'il fait exprès. Bon. Alors...
On va donc par ici, on va voir s'il n'y a pas quelque chose. Peut-être qu'un autre donjon, un lieu à déverrouiller, ou je sais pas. Regardez-moi ça, putain ça c'est la ville d'Orcrete ça. La ville sur la montagne, impossible de la prendre d'assaut quoi, c'est magnifique. Et du coup je me demande pourquoi elle est comme ça. Peut-être qu'il y a les trucs de Raxia qui font chier. Alors ça c'est la quête pour le donjon. Donc du coup, enfin je pense hein, puisque le mec il est juste en face. On va pas y aller. On va pas y aller, on va se contenter d'aller par là. Jusqu'à ce qu'on puisse voir le world boss qu'on était supposé voir, qu'on a déjà fait. En espérant que. Ah, le dragon il s'est posé, très bien. Tant pis, on pourra pas le faire. Il va y avoir rien du tout. Ouais, à mon avis, il n'y a rien. Ouais, non, il n'y a rien du tout. Attends, mais pourquoi je le vois pas là, le World Boss? Bon, il n'y a rien. Voilà. On va pas chercher midi à 14h. Putain, je crois que c'est la première fois de ma vie que j'utilise cette expression. Donc, du coup, oui, qu'est-ce que je disais? Oui, donc on va pas s'embêter. On va retourner par là. Désolé, 4 minutes de marche à courir pour rien. On profitera du paysage, là au moins je sais pas de me tromper de route. J'ai hâte de le faire. Dans le prochain épisode, ce sera ça. On fera l'antre. Ça me permettra de faire une pause, tiens. Parce que bien évidemment, dans l'antre, si vous avez pas vu à chaque fois les antres, je fais toujours un montage. Pour éviter de montrer tous les moments pénibles et les moments HRP. Les moments HRP. Enfin oui, oui, ça correspond à ça, mais bon bref. Tous les gaspillages de temps. Il faut que j'attende, notamment des fois sur certains boss, il faut que j'attende que les gens se pointent, parce qu'il y a des boss qui sont beaucoup trop compliqués. Tiens, justement, un world boss. Vous savez quoi, là, si on peut pas le faire, on le fera juste avant d'aller faire le... Juste avant d'aller faire l'antre. Comme ça. Enfin, plein de boss. Alors j'ai vu plein de feux. La fosse aux oscans. Narus de Tis-Os. Encore un putain de nécromancien. Un dromadaire. Donc voilà, vous le saurez, les dromadaires sont aussi elsewhere. Moi, comme beaucoup, je pensais que c'était exclusif à Hammerfell. Et bah pas du tout. Il y en a aussi à elsewhere. Là, on a un lieu, à mon avis, ça sera plus si ok de ça. Enfin, je jette un œil à une carte complète de map complète. Je fais très souvent ça dans mes jeux quand je fais des trucs comme ça là. Je regarde tout le temps une map complète pour être sûr de n'avoir rien raté quoi. Bah, je vais vous dire bêtise, mais là, Varianon, là s'il y avait un truc ici, bah, je sais que je vais me détester. Par exemple. Là il y a un lieu à découvrir. L'avant-poste de la force de défense. Oh. Pourquoi pas. Voilà. Tac, ça c'est fait. Et bien vous savez quoi? Qu'est-ce qu'on avait dit? Ouais, on va remonter comme ça. Ici, ouais voilà, on va faire ça. On va remonter. Ouais, 16 minutes. Ça fait quand même 15 minutes d'exploration. Bah non, ça fait 5 minutes d'exploration. J'ai fait 10 minutes sur le donjon. D'ailleurs le donjon... Tac, il est où? 4 sur 6, donc il m'en manque que 2 encore. Et bah j'imagine que là il va y en avoir un autre ici, il y en aura un autre là-haut je pense, dans le genre. Alors déjà l'oratoire, on va aller chercher. Voilà, on va aller voir l'oratoire là-bas. Tac. Oh, il y a un grand manoir comme maison, je vais voir ce que c'est. Ah, il y a aussi... Oh, il y a un world boss. Oh putain. L'oratoire, voilà, merci. Alors, l'oratoire de Fort Rivière, très bien. On va aller voir le World Boss, avec un peu de chance, c'est qu'il y a du monde qui est en train de le faire. Ah, j'ai vu un mec courir. Ah putain, s'il vous plaît. Allez, un peu de chance pour cette fois, s'il vous plaît. Ah, il y a du monde. Tac. Ah non, à mon avis, il vient juste de le faire. Ah, remarquez.
Oh, j'ai envie d'attendre pour une fois qu'il y a du monde. Je reviendrai. Reste ici mon petit, je reviens. Je vais juste jeter un coup d'œil par là. Coup d'œil. Je peux être sûr qu'il n'y a rien. Ouais, je pense que je suis monté jusqu'ici. Ouais, à mon avis, non, il n'y a rien de plus. Donc on a l'emplacement des deux world boss restants. Il en restait que deux, c'est ça? Ouais, il en restait que deux. Allez, là, il y a quelqu'un. Allez, un 810 en plus. Allez, avec un peu de chance, on peut faire le world boss. Allez. Allez, world boss, je sais que tu peux venir. Je sais que tu peux être là. Allez, mon bon. Mini. Ah, j'hésite. J'hésite à foutre le camp. C'est quoi? Là j'ai... Ouais voilà, il me reste 14 minutes. S'il y a 13 minutes, il est pas parti. Voilà. Je vais profiter pour fouiller puisque... Oh putain, oui, j'avais oublié ça. Attendez, on va poser plein de trucs à la banque. Ça me libérait de la place. Tac. Alors... Voilà. Avec ça déjà. Voilà. Merci Titis. Il reste 30 secondes. World Boss, s'il te plaît, dépêche-toi. Le sac est doux. Bourpoint. Ah merde, oui non. Oui, c'est une armure. Oh, le mec il se barre, mais vraiment. Ah non, il y a quelqu'un. Un 810 aussi, c'est pas le même, mais c'est très bien. Allez, 7 secondes, dépêche-toi s'il te plaît. Oh mais merde. Oh, putain. Bon, je me casse. Je suis désolé. Je pensais que là j'aurais eu un peu de chance là, mais j'en ai clairement pas là pour le coup. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Putain, il y a deux dragons sur la map, ici et là. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on remonte ou est-ce qu'on va voir la maison? Il reste 12 minutes. Oh, j'ai limite envie de dire qu'on peut le faire quoi. Ouais, allez, on va faire ça. Je vais voir la maison et s'il y a quelque chose, voilà. Parce que ce que je ferai, c'est que dans le prochain épisode, on fera hors crête, mais je commencerai avec le world boss juste ici, puis ensuite on ira hors crête. Et l'épisode d'après, paf, on fera ce world boss et tac, 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 on descendra tout ça. Alors la maison. J'ai envie de voir qu'elle peut-être est là, je l'ai pas vu du tout. Je vais de moins en moins sur les PTS et autres, j'ai vraiment pas du tout... Je fais ça de me spoil absolument pas. L'étreinte de Jod. Peu d'adeptorium égale la majesté sacrée de l'étreinte de Jod. La rumeur veut que les occupants les plus dignes du temple puissent contempler le domaine sacré de Jod lui-même. Il convient simplement de se méfier des dragons. Oui, tu m'étonnes. Effectivement, c'est un argument de poids pour la vente. Alors, déjà, voyons voir. Cette maison n'est pas à vendre actuellement. Quoi? Ah, ça serait une maison à durée limitée? D'accord. Ce sera une maison à durée limitée d'Elsewhere, très bien. Voilà, ça m'a toujours fait délirer. C'est qu'ils ont mis plein de petits passages comme ça, des trucs bien, bien stylés, bien jolis. Mais pff, nous on marche dessus et on ne détruit rien. Je trouve ça beau. On a le petit bassin. Avec la, avec la mini cascade, très bien. J'aime beaucoup, tiens, regardez, on va faire ça, parce que au moins comme ça vous verrez mieux. Voilà, il y a tout un petit truc très joli avec la grande cascade derrière, super. Superbe. Toujours un test à faire, est-ce qu'il y a une grotte derrière la cascade? Ah putain, mais vous me décevez tellement Zenimax. Le nombre de cascades qu'il y a dans les maisons comme ça, il n'y a rien derrière, c'est frustrant. C'est tellement l'occasion de nous faire un truc de ouf. Alors, nous avons donc la petite fontaine juste ici, très bien. J'ai hâte de voir la maison à l'intérieur. Ok, là nous avons donc un second truc. Est-ce qu'il y a un truc par là derrière? Non, il n'y a rien. On va passer par l'entrée principale.
et on va voir un petit peu tout ça. J'aime bien parce que les têtes de tigre, les têtes de lion ont des têtes d'ours. Alors ça c'est l'entrée principale, très bien. Ça c'est donc l'autre entrée qu'on peut rejoindre. Oh ouais, c'est classe. Je crois que c'était une porte mais non pas du tout. C'est très très classe, j'aime beaucoup. L'autre entrée amène à quoi? Ah, une espèce de bibliothèque. Ah non, un autre séjour. Donc ça c'est la version meublée, hein, je précise. C'est la version meublée. Tac. Putain, quand je pense que je pourrais me paper là-bas. Oh, putain, la va. Non, ça par contre, non. Non, oui, c'est très bien d'avoir mis de la place comme ça. Mais là, c'était le genre de... C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Vous avez mis Saint Graal? Qu'est-ce que c'est que ça? Portail vers le plan de Jod? Quoi? Ah, ça par contre... Ah oui! Ah là, je dis oui! Ah là, je dis oui! Ah là, très... Ah oui! Ah oui, non, là, oui! Très classe avec le truc des lunes, là, superbe! Le plan de Jod. D'accord. Je me demande si ça sera pas un raid. Ou si même d'ailleurs si c'est pas un raid. Parce qu'en fait c'est trop grand et c'est trop classe pour que ce soit juste une maison en fait. A mon avis là il doit y avoir une signification pour tout ça. Ah j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. À quoi mène ceci? Ah, en haut de la tour. On va voir. Ah, juste en haut des tours. D'accord, très bien. C'est une sorte de guetteur. Si je saute dans la lumière... Ah merde. Il y a un mur invisible. Allez, oratoire. Tac, ça nous ramène à l'entrée de la maison. Nickel, c'était le but. Hop là. On peut ressortir. Alors, combien de temps il me reste? 7 minutes 40. Eh ben écoutez. On va marcher pendant 7 minutes jusqu'à trouver quelque chose. Là, j'ai vite fait le tour. Contrairement à Somerset, j'ai l'impression qu'il y a moins de contenu additionnel. Alors c'est moi qui ai très mal fouillé. Le contenu additionnel est tout aussi épique, hein, attention. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a moins. Je saurais pas vous dire pourquoi. Mais enfin, du coup, est-ce que je monte direct là-haut ou... Oui, j'ai envie de vous dire pour 7 minutes. Je ne ferai absolument rien, donc autant aller vérifier s'il n'y a pas un donjon ou autre chose là-haut. J'ai découvert Fort Rivière, super, merci. Alors, voyons voir s'il n'y a pas un truc là-haut. Alors, ça mène à où ça? Ah, ça mène nulle part. Ça mène... Ah si, d'accord. Ça mène à Cyrodiil. Oula. J'ai pas vu, je suis tombé dans l'eau. Hop là. Là, je suis dans Fort Rivière. Là. Merci. Voilà, je veux juste suivre la route. Voilà, merci. Être juste sûr qu'il n'y a rien. Pas un donjon, quelque chose. Donc voilà, vous savez que maintenant pour accéder à Cyrodiil, maintenant il y a une petite route ici, juste à côté de, pas loin de, non loin de Fort Rivière. On verra bien. Ouais, non, à mon avis il n'y a rien. J'en ai marre, ça fait au moins le deuxième voyage que je fais là, comme ça, là, pour finalement qu'il y a rien, quoi. C'est très frustrant, c'est très très frustrant. Bon, enfin. Couper le paysage, le hub, je sais pas comment on dit. C'est extrêmement lent. Je me demande s'il y aura un truc au niveau des montures un jour. Bien sûr, comme beaucoup, je rêve de montures volantes. Des montures volantes, mais nom de Dieu, qu'est-ce que j'en rêve. Dans ce jeu, mais tout le... Dès qu'on a vu les griffons pour Somerset, mais putain, mais j'ai fait partie des nombreuses personnes qui espéraient une grosse mage de montures volantes dans le jeu. Indépendante, genre même pour... Même si elle va pas aussi vite que la monture de base, ou qu'elle va un peu plus vite, ou même justement le fait de... Juste le fait de pouvoir voler, quoi. C'est rien que ça, c'est déjà, mais... libérateur, quoi. Ah tiens, une quête là-haut. Quelle est donc cette quête ?
Chut, baissez-vous. Eliana Pavengius, qu'est-ce que c'est que ça? Restez cachés dans l'herbe. Nous avons des crocs rouges sur la colline, et d'autres sans doute derrière cette falaise. C'est quoi un croc rouge? Les crocs rouges sont la plus grosse bande de bandits hors de Balafre. Et sans doute dedans aussi. Ils s'attaquent aux réfugiés déplacés par les dragons, comme s'ils n'avaient pas perdu assez de choses comme ça. Ils m'ont dévalisé aussi, les salauds. C'est pour ça que vous vous cachez? Je ne me cache pas, j'attends. Je comptais me glisser dans le camp au moment opportun pour récupérer mes affaires, mais cela fait presque un jour que je suis là. Je devrais sans doute rentrer à Fort Rivière avant de m'évanouir. Je peux récupérer vos affaires? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous feriez ça? C'est un sac à dos de la Légion. Il appartenait à mon mari. Ce ne sont que des effets personnels, des objets qu'il avait avant... avant ces maudits dragons. Désolé, j'ai faim et je suis épuisée. Je devrais partir. Rejoignez-moi à l'auberge de Fort Rivière. Et merci. Où est Fort Rivière? Au nord, vers Cyrodiil. C'est une ville marchande, près de la frontière. Assez calme. Enfin, ça l'était. Je pense qu'il n'y a plus un seul endroit calme maintenant. On vous a volé des objets précieux? Une poignée d'or. Peu importe. Je veux seulement récupérer les affaires de mon mari. Les dragons lui ont déjà pris la vie. Je ne veux pas que ces ordures de voleurs me prennent son souvenir. Que faisiez-vous ici toute seule? Je ramène enfin mon mari chez lui. Enfin, ce qu'il en reste. J'ai dû me rendre à Rimmen. Cette sorcière de Tarn n'a même pas rendu ses restes à la Légion. Vous parlez d'une reine. C'est une traîtresse. Pourquoi avait-elle la dépouille de votre mari? C'est elle qui l'a amenée à Elsewhere. Elle y a conduit une armée pour ramener l'ordre de l'Empire. Mais elle voulait simplement se tailler un royaume. Il est mort en protégeant des gens qui cracheront sur sa tombe à cause d'elle. S'il a une tombe, je ne pardonnerai jamais Euraxia Tarn. Nous non plus, je te rassure. On va pouvoir te venger. Alors, ah tiens, il y a un orateur là-bas. Donc ça, bah on la finira pas, puisque bah il faudra lui ramener le pactage à Fort Rivière. Chose qu'on ne va pas faire. Combien de temps il me reste? 2 minutes, très bien. Donc du coup je vais choper l'oratoire qui est là. Ah, il y a un donjon là-haut. Oh putain. Tiens, il y a une autre quête à choper. Rien de bon ne sortira de cet endroit. Imalzine, j'adore ce concept des rats. Putain, ils sont trop rares ces cagites. Oh, je les adore. Alors, Imalzine. Salutations, marcheur. J'adore. Putain, mais ça, pourquoi vous l'avez fait? Putain, il devrait nous regarder de haut. Regardez ça. C'est ça qu'on devrait voir. Oh, c'est tellement dommage qu'on le voit de taille. Salutations, marcheur. Vous n'iriez pas à la demeure de l'ignoble par hasard? Comme son nom l'indique. Attends, la demeure de l'ignoble, est-ce que ça serait pas le donjon là? Si, voilà. Donc non, on va pas le faire. Ça sera dans les deux prochains épisodes, dans le deuxième épisode qui viendra après tout ça. Tac, l'oratoire. Le lieu à choper là-bas. Le havre stellaire, c'est ça? Ouais. C'est cela. Tac, là, il y a un truc d'artisanat. Éclaireur du Nord d'Elsewhere. Ok, bah du coup j'ai eu tous les lieux, très bien. C'est pas indiqué. Ah si, c'est là. D'ailleurs ça, est-ce que... Ouais voilà, eux par contre c'est pas indiqué. Ah, attends, comment... Ok, j'ai compris, on va grimper par là. C'est ça que tu veux? Voilà. J'espère que tu es heureux. Voilà. Ah bah les gens. On en reste 1 minute. Allez, on va essayer d'avancer. Pour voir le plus loin possible. C'est quoi ça? Le journal de Maléron. Ah. Je produis un rotmet comme mes parents et leurs parents en veulent, et au bois de gratte, c'est un beau métier. Après tout, tous les elfes des bois aiment prendre une tasse de rotmet après une longue chasse. Pour ceux qui ne savent pas, rotmet est un alcool des bosmeurs fait avec des insectes. Mais Elsewhere est un tout autre marché, les cagites ont approché la truffe de ma boisson avant de filer ventre à terre. J'ai essayé toutes sortes de réductions et d'explications sans attirer un client. Il n'existait même pas d'échantillon gratuit, bon sang, c'est là que j'ai eu l'idée de ce rotmet sucré. Toute la richesse de la viande originelle avec un arrière-goût sucré pour satisfaire mes clients cagites. Dans quelques jours, ce sera fermenté, le temps que ta rasure et moi arrivions à suture, ce sera
Il sera prêt à goûter. Tonnet de remède sucré. Ah. Donc on prend le tonnet, on goûte même pas. Trouver Maleron. Ah, et Maleron sera là-bas à Suture. D'accord, très bien. Bah vous savez quoi, voilà, c'est ça qu'on va faire. On va aller rendre la quête à Suture. On va aller à Suture, on va aller rendre la quête. Et ensuite, paf, on va arrêter la vidéo. Oups, pardon. Déjà, rien que ça, je suis étonné. Il y a beaucoup moins d'oratoire qu'à l'habitude. Je m'attendais à ce qu'il y en ait vraiment beaucoup plus que ça. Excusez-moi, je me replace. Hop là. De toute façon, en plus, il fallait que j'aille le faire. Je l'aurais fait forcément. Hop là, Kata. Doucement. Alors. Trouver Maleron. Il est en dessous. Il est là. Vous cherchez quelque chose, étranger? J'ai trouvé ce tonneau de Rotmet à côté de la route. Je pense qu'il vous appartient. Oh, alors ça. Oui, ce tonneau est à moi. C'est le meilleur tonneau de Rotmet sucré jamais produit. En fait, c'est le seul tonneau de Rotmet sucré jamais produit. Un Rotmet sucré? C'est moi qui l'ai créé, vous vous rendez compte? Voyez-vous, les Khajiits apprécient rarement le Rotmet. Je pense que l'odeur de viande rance les rebute. J'ai donc ajouté de grandes quantités de sucre lune. Le succès est assuré. C'est étrange qu'un fût aussi gros ait disparu. Le fût a dû tomber de notre chariot, ce qui est un peu étrange puisque mon mari aurait dû être assis à côté. Bah, il n'y a pas mort demeure. Ah. Et voici une récompense pour vos efforts. Je ne sais pas ce que nous aurions fait si nous avions perdu cette merveille. Chérie, viens voir. Ah, yes. Un inconnu a retrouvé mon tonneau de Rotmet sur le bas-côté. Tu te rends compte? Ah, il n'y a rien caché. Regardez, ça a dû tomber du chariot. Quelle chance que quelqu'un l'ait trouvé. Il doit être bien fermenté maintenant. Tu peux enfin le goûter. Bien sûr. Je vais... boire. Ouais, tu parles, il l'a jeté, oh, oui. C'est délicieux. Alors, addict? Alors, quel goût il a? Ah, on dirait que je vais devoir modifier ma recette. C'est original. Ok, bon, et bien Elsemi, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. La prochaine sera sur le World Boss qu'il y a ici, ainsi que sur l'antre qu'il y a ici à Orcrete. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est que n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ainsi qu'un petit j'aime, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour voir toutes les prochaines vidéos. Allez, Chelsea. Chelsea. J'arrive pas à le dire. Et la vidéo s'est pas coupée. Allez.